Bonsoir à tous, il est 18h, c'est l'heure de votre récapitulatif ONU favori. Bienvenue à tous et bonne écoute. Nous allons donc vous présenter les rappels, les nouveautés du Orange, les nouveautés inter-serveurs, le jeu concours, et puis nous finirons par les promotions et les départs du Orange. Pour commencer, nous vous rappelons qu'il est indispensable pour vous de placer les panneaux pour les notations à votre FO, avec les coordonnées de vos nouvelles constructions. Par ailleurs, tous les grades du serveur recrutent, n'hésitez pas. Enfin, nous possédons également un Discord et un Twitter où nous postons diverses informations. Et bien sûr, un assassinat à programmer? Rendez-vous sur le site de NG Orange. Tout d'abord, voici les nouveautés du Orange. Le spawn serveur va passer du thème Halloween au thème de Noël au cours de la semaine. Le trader du FFA va être modifié cette semaine. Pour les 4 ans du serveur, une gagnotte a débuté. Rendez-vous au Warp Lotto. Il vous reste peu de temps pour vous nominer ou nominer un ami pour les awards du Orange. Le grade avocat va prendre fin à l'ONU prochain, sous décision des administrateurs. Ils seront remerciés pour leur travail. Ensuite, voilà les nouveautés inter-serveurs. Il vous est désormais impossible de vous téléporter à une île NG Island en étant en combat. La machine OGM prend désormais en compte les items stackables inférieurs à 64. Une correction du bug qui empêchait de mettre la nourriture périmée dans un épandeur d'engrais. Un régène des zones n'étant pas claim au build a été effectué. L'Orange Million a révélé ses gagnants. Les 2 dernières semaines, un montant a été récolté et 3 joueurs ont été tirés au sort. Ils ont remporté 22 800$ chacun. Les heureux gagnants se nomment Luc Hugo, Stuni94 et XRGVN. Félicitations à eux et espérons qu'ils l'utilisent à bon escient. Maintenant, c'est l'heure du jeu concours. Sur quel thème le spawn du serveur va être décoré au courant de la semaine? Réponse A, Noël. Réponse B, Pâques. Pour tenter de remporter 1 500$, répondez en commentaire et likez la vidéo. Pour les promotions et les départs de cette semaine, on a uniquement des changements concernant le roleplay. Félicitations donc à Freezer qui passe mafieux, et nous remercions The Chauss Army pour son travail dans la gendarmerie en tant que lieutenant. C'est avec un grand remerciement que nous clôturons ce récapitulatif de l'ONU. Si vous avez des remarques à nous renseigner, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire. Nous espérons que vous avez passé une agréable écoute en notre compagnie, et bien sûr, à la semaine prochaine.